forte délégation haïtienne, composée de plusieurs ministres, qui a eu une réunion avec pratiquement tout le cabinet du Premier ministre. On a parlé sur les questions de sécurité, certainement, des questions d'échange commercial et le support de la Jamaïque en ce qui concerne à accompagner nous, à mettre sous pied force défense nous. Demain, il y a des réunions avec les membres du secteur privé. En fin de compte, tout bagaille qui est important pour bien-être du peuple, nous t'es passé sous aujourd'hui. Et il faut dire que tu as encore dessiné en Haïti et la Jamaïque depuis 1997. Et à date, nous avons dit que même sur la question de visa, il y a des bagailles qui ne partent jamais faire. Alors qu'on a CARICOM, il est prévu que les gens qui ont un visa américain ou canadien, par exemple, aient accès à Boïsia. Donc nous avons une chance de dépasser sur tout ça. Parce que l'accord 97 là, il prévoit un renforcement de coopération. Même quand vous avez voté à partir de l'admiration qui gagne entre les leaders de gouvernement, à partir de l'engagement que nous prenons, pas pour nous rêver de une meilleure coopération, mais renforcer la coopération et matérialiser rêve nous et objectif nous, pour que nous puissions sentir une coopération qui est différente. Donc nous sommes très satisfaits. Et nous devons payer hommage à leader jamaïcain, notamment Marcus Garvey, que nous sommes déposer un gerbe de fleurs dans l'espace côté de la proposé. Nous devons déposer un gerbe de fleurs. Tout. Nous avons respect nos héros internationaux agréés de Simon Bolivar. Et nous avons eu l'opportunité de franchir avec le gouverneur général Latou. Donc en gros ça va. Là on a le ministre de l'Éducation. Et me fait capable de ne pas oublier que l'éducation c'est cheval de bataille moi, pour lui accompagner la pile. Il est dit certainement et que demain, puisque nous gagnons une réunion dans l'université Caraïbes, donc nous avons fait chita pour nous parler de ça. Donc en gros, je suis très satisfait. La tournée est très positive. Et l'impact que Nouvelle Haïti a commencé à faire dans la tête de l'étranger, pour que la continue. Je suis conscient tout de même des efforts que nous avons fait. Et ça a raffermi volonté, renforcé volonté pour que vous avancez avec nous, encore une fois, pour améliorer les conditions de vie du peuple. Merci.